Salam alaikum Azoul, bonsoir. On appelle à la continuité, l'istimraria, d'une politique lorsque celle-ci a donné des fruits. Lorsqu'elle a relevé le pays de l'ornière, lorsqu'elle a triomphé des crises. En Algérie, où la dégradation a commencé depuis le premier jour de l'indépendance, en s'aggravant de jour en jour et chaque jour un peu plus, c'est de rupture qu'il aurait fallu parler, de la nécessité, de l'urgence d'une rupture totale et radicale pour sauver le peu qui reste à sauver. Or, curieusement, et alors que jamais le pays n'a été dans une situation aussi périlleuse, qui laisse craindre une explosion généralisée à un moment où l'existence même de la nation est compromise, ne voilà-t-il pas que de partout au sein des relais du régime, un mot est repris en cœur. Oui, de partout où le régime s'exprime à travers ses héros, le mot est crié, scandé, décliné à toutes les sauces de la propagande primaire. Tous les relais du régime, comme s'ils en avaient reçu la consigne, se sont mis à faire chorus autour d'El Istimraria. La continuité. La continuité du régime actuel, bien sûr, de ses tenants et par conséquent de celui qui est devenu la façade du véritable pouvoir, le président de la République, est néanmoins grand invalide. L'istimraria de la catastrophe, l'istimraria de la fuite en avant, pour aller à la rencontre du désastre annoncé, inévitable, irrémédiable. Ce n'est plus le mur, on ne voit plus au mur, comme a dit quelqu'un, mais c'est le mur qui vient à nous. Une continuité qui s'appelle cinquième mandat et dont les mêmes relais du régime évitent désormais de le dire de façon claire. Il n'est question pour le moment que de préparer le climat, de faire chauffer le bendir de la grande Zerda. On ne parle plus de cinquième mandat, mais de continuité. Cinq dans l'œil de l'envieux et tant tira la cruche à l'eau. Aujourd'hui, le Maghreb, Nourdine Bedoui, Abdelaziz Bouteflika est l'architecte de la réconciliation nationale et de la relance du développement par BC, Jeune Afrique, Algérie. Bouteflika est rentré en pré-campagne électorale par Oumey Maneshi, Algérie Monde Info, Saïd Bouhadja. Bouteflika est un messager de la paix dans le monde par Linda Debienne. Le nouveau mot d'ordre du régime, la continuité. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, Brahim Younsi avec moi ici sur le plateau, ancien cadre du MDRA. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Bonsoir. Saïd Aknin, militant des droits de l'homme, merci d'être avec nous. Merci Jamel Dine, bonsoir. Au téléphone ou en Skype, j'espère, Sofiane Gilali, présidente de Gil Jadid depuis Alger. Merci Sofiane Gilali d'être avec nous. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ah, très bien. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, vous êtes en Skype et c'est tant mieux. Alors, avant de commencer l'émission, je voudrais vous faire voir, nous allons voir ensemble et revoir. Nous sommes un peu maso, hein, nous aimons bien voir les choses qui nous font mal. Wildeb, est-ce qu'il va nous dire des choses? Écoutez-le bien, mais écoutez-le attentivement. D'ailleurs, nous allons vous la passer deux fois. ولكن الرئاسية 2019 الأفلام كما ربح الثورة 5 جويلية 18 مارس 1962 ربح كل الانتخابات ونربح الانتخابات 2019 ومن بعد 2019 بعد أولادنا وولاد أولادنا هذه هي رامي يونسي. On va remuer le couteau dans la plaie comme vous venez de me le dire.
Mais pas au même endroit. Au même endroit. On va remuer le couteau dans la plaie. ولكن رئاسية 2019 الأفلام كما ربح الثورة 5 جويلية 18 مارس 1962 ربح كل الانتخابات ونربح الانتخابات 2019 ومن بعد 2019 بعد أولادنا وولاد أولادنا هذه هي. Alors, Monsieur Ould Abbas, qui nous parle du FLN, il ربح toutes les élections, il a gagné toutes les élections, il oublie que les législatives, il les a remportées, c'est le parti majoritaire, hein, avec moins d'un vingtième de l'électorat. Un vingtième. Et il vient là, tout en tribune, nous dire, et puis le comble du comble, il dit, et après 2019, ce sera nos enfants et nos petits-enfants. Ouledna, ouledna, ouledna. Mais c'est à ce point, c'est à ce point-là. Ça dépend de quelles élections il parle. Toutes les élections, il dit. Oui, toutes les élections. Quand le parti était unique, ouais. Le pluralisme formel, ouais, a commencé en 1989. Ouais. En 1990, le FLN a perdu les élections municipales. Et en 91, et en 91, il a perdu les législatives. Lui, il a dit, nous avons remporté toutes, bon, les élections. Déjà, on va les remporter toutes celles, bon, qui viennent après. Bon. C'est un peu présomptueux. Cela voudrait dire que dans ce pays, les élections sont truquées si... Oui. On interprète les propos de M. Ould Abbas. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire une campagne électorale. Le président, ce n'est pas un jeu de mots, et rejoindra le fauteuil. D'ailleurs, il l'a dit, Ould Abbas, dans une autre déclaration. Il a dit, sauf Dieu et moi, ça savons qui va être élu, et nous le savons. Il l'a dit. Oui, il l'a dit. Donc. Illa Rabbi wa ana ala ban nashkura yukhruj kda wa ana ala bali. Donc c'est clair. Bien sûr, c'est clair. Saïd Akhner. Bonsoir, Jamaldine. Bonsoir, honorables invités, M. Younsi, M. Jilel Soufiane. Bonsoir aux téléspectateurs. Moi, je dirais que c'est du guignolisme. Qui, du grand guignol. Du grand guignol. Voyons ainsi le président d'un parti comme le FLN arriver à un tel stade de déliquescence du langage, et j'en parle pas, de la pensée, parce que Jack Lacan dit « l'homme est langage ». Un éminent poète algérien disait à l'autre « Hdar kima lak labes ou labes kima rak tahdar ». Je pense que ça donne quand même un aperçu. Mais en regardant cette vidéo, quand un responsable d'un tel parti bégaye quant à la date de l'indépendance, c'est révélateur de cette schizophrénie. Et puisque tout à l'heure, on parlait de masochisme, nous, c'était pour rigoler. Eux, je crois qu'ils sont atteints de cette pathologie profonde de sadomasochisme. L'homme et langage. Que disait Ould Abbas? D'abord, trancher sur des âges, c'est... une erreur, si maintenant on se place sur le plan politique. En politique, moi je crois à la sismique politique. On ne peut pas trancher sur des âges. On voit aujourd'hui qui aurait pensé en 2009-2010 ce qui allait arriver en Tunisie et dans d'autres pays à travers le monde. Mais sa force d'aujourd'hui lui donne une certaine forme d'arrogance et de mépris. Le mépris vis-à-vis du peuple, mais encore pire que cela, c'est le mépris vis-à-vis des institutions. Que valent aujourd'hui les institutions devant de tels propos? Est-ce qu'il ne veut pas dire, on sait aussi, comme on sait que la nature du régime en Algérie est clanique. N'est-il pas un message adressé d'abord au peuple, en disant que nous, avec ou sans le peuple, comme disait tout à l'heure M. Younsi, que le trafic de quotage et l'ADN de toutes les élections qui ont eu lieu en Algérie depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui. Ould Abbas est dans les circuits du pouvoir depuis maintenant plus de 50 ans. Il en connaît un peu.
Il sait comment que ça se passe. Il peut, c'est-à-dire, à travers ses dires, il vient de révéler une chose fondamentale. C'est le traficotage des élections. Et ça, c'est très important pour ceux qui continuent à croire ou à nous faire croire. C'est vrai, hein, d'une certaine façon, c'est ce qu'il a dit. Oui, ça veut dire, avant les élections, nous savons que nous allons les remporter. D'où, justement, donc, c'est clair. C'est ce genre de déclaration de mépris en value aux élections législatives, parce que c'est juste avant les législatives qu'il avait déclaré et qu'il y avait Dieu et le FLN qui savaient qui allait être président. Oui. C'est ce qui lui avait valu justement 90% quasiment d'abstention. Et même avec la fraude et le bourrage des urnes, ils sont difficilement arrivés à 30% de participation, dont plus de 10% de bulletins nuls. Ça veut dire que ce sont leurs chiffres. Hein, leurs chiffres. Sur ceux qui ont voté, ils avaient 1 million de bulletins nuls, c'est dire. Quand on voit ce genre de langage, on dit... il me semble qu'à travers toutes les péripéties, c'est-à-dire que ça... Et il y a une certaine forme de continuité, une continuité des déclarations de son prédécesseur et de lui, qui ne rehausse pas le débat public. Il y a une certaine forme de construction d'un débat nauséabond dans, du moins, les sphères qui les intéressent et les sphères médiatiques qui les véhiculent. Parce qu'aujourd'hui, la véritable problématique, ce n'est pas ce qu'ils déclarent en soi, mais c'est la situation du pays, c'est le mur où on va, le pays, mais sinon la nature du régime. Dans les années 70, c'était la communication du régime ne diffère pas de celle d'aujourd'hui. Il y a une certaine forme de continuité, en effet. Oui. Sofiane Djilali, au sujet de cette déclaration de M. Oud Abbas, qui dit, de toute façon, toutes les élections seront remportées par le FLN, comme vient de le dire Saïd Akinin, finalement, c'est une reconnaissance, d'une certaine façon, que toutes les élections sont truquées, puisqu'il le dit lui-même. Et il pousse plus loin le bouchon, puisqu'il dit, même après 19, ce sera nos enfants et nos petits-enfants. C'est clair. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane Djilali? Écoutez, je pense que c'est plutôt des fanfaronnades. Le pouvoir actuel a très peur, il commence à paniquer, parce qu'il sait quelle est la réalité de son emprise sur la société. Il n'a plus d'intermédiaires, les partis politiques n'ont plus aucun rôle, en particulier ceux qui soutiennent le régime. Il n'y a plus de relais entre le pouvoir et la population. Dans n'importe quel pays du monde, il faut une assise populaire, au moins partielle, pour maintenir en place un pouvoir. Or, la coupure est totale. Et maintenant, c'est, ce recours à ce type de langage révèle en fait une fanfaronnade, mais psychologiquement, vous savez, lorsqu'on a peur de l'ennemi, on essaye de se grossir et de montrer ses muscles pour faire peur à l'autre. C'est une guerre psychologique. Autant ils ont perdu sur le terrain, autant M. Oud Abbas essaye de le récupérer en gesticulant. Il fait, vous savez, comme ces oiseaux-là qui, face à leurs prédateurs, gonflent leur plumage pour une danse nuptiale, une danse nuptiale en quelque sorte. Pour, je ne sais pas si c'est une danse nuptiale. Ou la danse du mâle dominant ou quelque chose comme ça. Non, mais à chaque fois qu'il y a un rival, ces oiseaux-là gonflent le plumage pour essayer de se donner de l'importance et faire croire à l'autre qu'on est très fort. En fait, le régime est à bout de souffle. C'est pour ça qu'il utilise des marionnettes de ce type qui n'ont même plus aucune valeur. Si le pouvoir était fort, il serait venu dire sur un ton paternaliste, mais vous savez, nous avons organisé de véritables élections, nous respectons le peuple, et c'est le peuple qui nous choisit, tout en trafiquant comme il le souhaite, mais à condition d'avoir un minimum, une base, une sécurité, une assurance. Or, ils n'ont plus rien de cela. Ils savent très bien que en dehors de l'homme qu'ils utilisent à travers son image, son portrait, et qu'ils trimballent par-ci, par-là, il n'y a plus aucun élément d'ancrage, ni dans le pouvoir, ni dans la mais société. Mais justement, Sofiane Djilali, justement, ce pouvoir, comme vous le dites si bien, qui promène le portrait d'un président qui ne craint même plus le ridicule, qui est en train de dire non, le président est aux affaires, il est en bonne santé, c'est lui qui dirige, alors qu'il promène son portrait d'un président qui n'a pas parlé depuis 6 années.
et qui en arrive, comme vous le dites, à dire « oui, nous remporterons toutes les élections comme nous les avons déjà remportées ». Et ils oublient de dire que, par exemple, le FLN n'a été élu majoritaire dans l'actuel Parlement qu'au 20e de l'électorat. Un 20e, c'est incroyable. À quoi c'est dû tout ça? Seulement à vouloir gonfler son plumage pour faire peur aux autres adversaires, ou alors ils sont dans une fuite en avant? Comment vous l'expliqueriez? Oui, c'est plutôt une fuite en avant. Ils savent au FLN qu'ils n'ont plus de base militante. Il n'y a plus de militants. Il y a des mangeurs de sandwich qu'on ramène lorsqu'on veut faire des attroupements. Et de la même façon, on veut faire croire aux autres, à l'opinion publique, à travers l'image, qu'on est fort parce qu'on rassemble du monde sous une coupole ou dans un meeting totalement artificiel lors des campagnes électorales. Mais en réalité, ils savent qu'en dehors de l'argent, ils ne peuvent plus faire fonctionner leur structure. Il n'y a plus de militants, il n'y a plus de gens qui sont capables de donner quelque chose au FLN. Les gens qui sont au FLN, au RND d'ailleurs, ou dans tous ces petits partis satellites du pouvoir, ils sont là pour prendre, chacun à son niveau. Le minimum étant d'avoir un contact avec le maire pour régler un problème particulier, ou avoir une entrée chez un ministre pour régulariser une situation, ou s'accaparer d'un terrain ou autre. Donc petit à petit, vous savez, le système s'est construit à travers le temps en faisant des critères de sélection où petit à petit, ils ont pris les hommes les plus ternes, les plus dociles, les plus redevables, les plus serviles. Et petit à petit, ils ont créé une pyramide avec ce type de profil psychologique, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est arrivé au terme de cette ascension, j'allais dire, puisque l'État est totalement gangréné et infiltré par ce type d'hommes qui n'ont aucune valeur, qui sont là prêts à faire la carpette parce qu'ils ne savent rien faire d'autre dans leur vie. C'est parce qu'il fallait qu'ils progressent à travers les méandres qu'a dressé l'État au cours de leur carrière. C'est au plus offrant de tout ce qu'il peut avoir pour qu'en retour, on lui donne une petite assurance, on le maintienne dans son emploi et qu'on le fasse progresser. Et restez avec nous. Un système comme ça finit par se mordre la queue. Il n'a plus les capacités, les hommes, la valeur pour se défendre et pour continuer à progresser. Brahim Younsi, au-delà de ces relais du régime, de ce relais très périphérique, hein, ils ne sont pas le régime, ils ne sont pas des barons. Les Ould Abbas, Sidi Saïd, les Ammar Roul. Au-delà, les donneurs d'ordre qui leur demandent aujourd'hui de répéter à l'envi ce mot pour en imprégner l'opinion publique, d'istimraria, la continuité. On leur a dit de ne plus parler de cinquième mandat. D'ailleurs, Ould Abbas s'interdit de prononcer le mot cinquième mandat désormais. Il parle de continuité. Ça veut dire quoi? Continuité de quoi? Continuité, j'imagine que c'est le cinquième mandat décliné sous une forme un peu plus soluble. La continuité d'une politique. Oui. Laquelle? Continuer une politique qui, à l'évidence, est un échec. Oui. Un grave échec. Un échec économique. Un échec social, et on le voit. Un échec dans tous les domaines. Un échec culturel. Même la cohésion nationale. Le système a échoué à maintenir le minimum de cohésion nationale. Ça éclate. Les identités s'expriment de partout. Le problème dans ce qui est la continuité, cette continuité nous laisse penser qu'il n'y aurait pas d'alternance, alors que moi je ne suis pas pour l'alternance. Je ne suis pas pour l'alternance. Parce que l'alternance signifie qu'il y aurait un système démocratique. Le système n'est pas démocratique. Moi, je suis pour la rupture, et vous avez dit le mot tout à l'heure, pour la rupture d'avec le système. S'il n'y a pas de rupture d'avec le système, l'alternance démocratique n'aura pas lieu. Or, moi, je ne cherche pas l'alternance, je ne cherche pas à succéder
Ce n'est pas un passage de témoin, c'est la rupture ne peut pas ou un changement radical, une autre vision des choses. Donc l'alternance, ce n'est concevable que si nous étions dans un système démocratique. Or, nous ne sommes pas, hélas, dans un système démocratique pour appeler à l'alternance ou souhaiter même l'alternance, parce que c'est le même système qui Mais vous avez raison de préciser quelque chose, je viens d'y penser. Quand ils disent continuité, en fait, ils disent continuité de la catastrophe. Absolument. Alors qu'ils auraient pu utiliser un autre mot, dire par exemple changement, ou comme ils ont dit à un certain moment, une rupture dans le changement, une rupture dans la continuité. Ils ne sont pas conscients que quand ils disent continuité, la situation actuelle, c'est une catastrophe. Continuer une politique qui a adopté un financement non conventionnel. Bon, je dirais fort heureusement, aujourd'hui, pour des raisons géostratégiques, le prix du baril augmente, donc il y a une légère embellie financière. Bon, très bien. Mais le problème, c'est que même là, on n'a pas rompu avec les pratiques du passé. Nous continuons dans les mêmes pratiques. Est-ce que ces pratiques-là qui vont continuer après 2019, est-ce que les institutions vont changer, se démocratiser? Est-ce que l'opposition aura un rôle Mais s'ils disent continuité, ça veut dire rien ne va changer. Justement. Ils ne disent pas, nous allons essayer d'aller vers le mieux, Il y a un gel de la situation. Oui. Gel de la situation. En fait, continuité, ça veut dire Le gel, c'est rester là où on est, ne pas bouger, ne pas aller ailleurs. La glaciation qui continue. Et on repart avec les mêmes hommes, les mêmes institutions, dans les mêmes conditions. Les mêmes états d'esprit. Et les mêmes états d'esprit. On a parlé de psychologie tout à l'heure. Le problème n'est pas, à mes yeux, seulement politique. Il est effectivement psychologique. Si nous ne rompons pas avec cette psychologie-là, nous n'arriverons pas. Moi, je dirais peut-être même psychiatrique, à entendre un Wilde Abbès. Oui. Psychanalytique, très franchement. Psychanalytique, certainement. Parce que Abbès nous dit, bon, je suis Staline, tout simplement. C'est du stalinisme pur et simple. C'est mes enfants, mes petits-enfants qui vont vous gouverner. Les Algériens sont avertis que leurs enfants ne pourraient pas atteindre le pouvoir, parce que ce sont les petits-enfants d'Abbès qui vont les dominer, qui vont les gouverner. Et il a même dit, il a prévu que lui, il sera là en 2034. Oui. Je serai là en 2034. Saïd Aknil. C'est vrai ce que souligne Brahim Younsi. En fait, quand ils disent continuité, c'est une reconnaissance de fait. Ils sont en train de dire nous avons provoqué une catastrophe et nous ne voulons pas que ça change. Nous voulons continuer dans la catastrophe, dans la perversion, dans les turpitudes, dans le pillage, dans le crime, dans la fraude électorale. C'est ça, en fait, ce qu'ils sont en train de nous dire. Jamel Dine. On parle de langage. Le système est bâti aussi sur non seulement la corruption physique, c'est-à-dire les pots de vin, le détournement, l'espoliation, il est bâti aussi sur la corruption du langage. Je m'explique. Dans les années 70, il y avait un certain nombre de concepts qui ont été utilisés, à savoir inspirés de la mytho-idéologie, le révolutionnisme, tout ça c'était bâti sur la famille révolutionnaire, cette surenchère avec laquelle ils ont trompé et bipolarisé la société algérienne. Ça s'appelle la propagande. De la propagande. C'est vers là que je voulais venir. Ce genre de propos, c'est des propos dignes de toutes les dictatures sous-développées. Et je le répète une fois, dictature sous-développée. Vers les années 90, on a vu un autre langage, c'est le langage du tout sécuritaire. Le tout sécuritaire, c'est le discours militaire du tout sécuritaire. Et là, on a vu un certain nombre de corruptions. Sauver la République, la plus grosse supercherie de l'histoire de l'Algérie. Les sauveurs de la République. Comment sauver la République derrière un char? Et ceux, tous ceux aujourd'hui qui se disaient, regardez l'illusion, la construction justement du mensonge,
comment que à un certain moment, ils l'ont tellement ressassé, bipolarisé la société, et ils ont construit à travers ce mensonge des fortunes personnelles. Oui. Et ils ont ruiné le pays. Et puis, on arrive à l'ère Bouteflika. Bouteflika avait déclaré quelque chose en 1999 en disant « Si j'avais 20 ans, j'aurais peut-être pris le maquis. » Oui, et quand il parlait à M. Hattab. Exactement. Oui. Pourquoi qu'il aurait pris le maquis? Non pas par des convictions théocratiques, mais il avait dénoncé, me semble-t-il, un certain nombre d'injustices que le peuple algérien a vécues. Dont, parce que dans la ruse du pouvoir, il y a le génie du peuple. Le génie du peuple a répondu par quoi? La hougra. Eux, ils utilisent quoi? Ils utilisent tous les instruments nécessaires pour pouvoir justement faire passer les choses d'une façon la plus douce possible, allant jusqu'à l'arrivée de Bouteflika, qui utilise un discours vide et de vice. Vide. Le discours, on va essayer terre à terre, sans pour autant faire appel à de grandes connaissances, ni intellectuelles, ni universitaires. Analyser ce que dit Ould Abbès. Au meilleur des cas, c'est du mélu-mélo. Au pire des cas, c'est de la schizophrénie. Que dit-il de consistant intellectuellement? Que dit-il qui va nous pousser à aller chercher dans les bibliothèques, faire un travail de recherche, à faire appel à des références bibliographiques? Je ne sais pas. Est-ce qu'il dit... Est-ce que son prédécesseur avait dit la pourquoi, même chose? La question, Saïd, que j'aimerais comprendre. Franchement, je me pose vraiment la question. Et pourquoi le régime, qui est un régime redoutable de manipulation, de subversion, pourquoi ce régime désigne-t-il des gens comme Ould Abbès, des gens comme Sellel, des gens comme Ammar Roul, des gens comme Sidi Saïd, qui sont, je ne veux pas utiliser de mots méchants, mais dont vous venez de décrire un peu le niveau, pourquoi se sert-il de ces gens plutôt que de ramener des gens un peu plus intelligents, un peu plus présentables? Il en a à sa disposition, qui sont très malhonnêtes, mais qui... Je vous donne un exemple, Ammar Ben Younes. Ammar Ben Younes est autrement plus intelligent que ce monsieur, autrement plus présentable, même s'il est tout aussi malhonnête, je vous le concède. Mais pourquoi écarte-t-il Ammar Ben Younes et met-il au devant de la scène Ould Abbès? L'intelligence n'est pas dissociable de l'éthique et de l'honnêteté. De ce point de vue, les uns comme les autres ont une intelligence qui frôle à ce niveau-là. Oui. Je parle des personnes morales et non pas des personnes physiques, qui avoisinent les températures de Moscou en hiver. Les raisons pour lesquelles, effectivement, on les a nommées, on sait tous que toute cette façade visible, c'est le pouvoir formel. Et qui détient le pouvoir en Algérie, c'est ceux qui sont... Le pouvoir qui est derrière. Qui est derrière. Ouais. Les raisons pour lesquelles, c'est pour baisser le niveau du discours à l'échelle nationale. Aujourd'hui... Pour abrutir les gens. Qui fait le buzz aujourd'hui? Ould Abbès, il fait le buzz quand il s'exprime. Oui, mais il fait le buzz de façon contre-productive pour le régime. Mais on, les gens sont objectif, en train... Il fait les gorges chaudes des gens. Tout le monde est en train de se traîner par terre. Le fakakher. Le fakakher. Oui. C'est l'aliette. Ah, exactement. Tout ça, là, oui. C'est-à-dire ce qui les importe, eux, mais c'est contre, y compris... Ce que je ne comprends pas, c'est que ces gens-là sont contre-productifs pour ce régime. Ils l'ont ridiculisé. Les pires ennemis aujourd'hui de la fratrie Bouteflika, c'est Ould Abbès. Il est en train d'en faire des monstres dans l'opinion publique. Les pires, c'est ça, eux. Ça, je ne le comprends pas. C'est moi. Eux-mêmes d'abord qui acceptent l'état dont ils sont, et puis ceux qui les humilient. Parce que pour moi, ramener une personne à un âge aussi avancé, handicapé, devant les caméras, avec cet état, c'est de l'humilier. Il n'y a pas autre chose que de l'humilier. Maintenant, je reviens juste à un élément, parce que M. Younsi avait évoqué quelque chose de très important. Assez souvent, je parle de frontières cognitives. Ceux aujourd'hui qui gouvernent le pays ont des frontières cognitives. Ils ne savent pas sortir de l'intervalle d'extraire et de vendre.
Ils ne peuvent pas se lancer dans une économie productive. Ils ne peuvent pas penser à la société. Pourquoi qu'ils ne peuvent pas penser à la société? Parce qu'ils sont issus de la base sociale du régime. Et la base sociale du régime, comme le dit si bien Mohamed Harbi, n'a pas changé depuis l'indépendance confisquée à aujourd'hui. Il y a des microcosmes qui sont construits. Bien sûr que parfois on trouve une intrusion qui vite fait s'en rend compte et part, mais certains disent des vérités, d'autres les cachent en disant que peut-être on va me rappeler encore une fois. Mais dans cette situation, Jamaluddin, dans cette situation, ils sont aveugles. Ils ne fréquentent pas les couloirs du peuple. Eux, ce qui les intéresse, c'est le club des pins. Ce qui les intéresse, c'est le billard. Ce qui les intéresse, c'est les soirées. Comme le avec dirait, le cigare. Comme le dirait Hameda, le homiste, c'est des bagarres politiques. Oui, mais ils ne savent pas, en fait. Ils ne savent pas. Après, ils sont tellement dans leur tour d'ivoire qu'ils sont arrogants. Moi, les propos d'Ould Abbès sont arrogants. Les propos de toute cette clanocratie, de tout ce personnel politique, sont méprisants vis-à-vis du peuple, sont arrogants vis-à-vis du peuple. Quand Ould Abbès tranche sur des âges, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se dit qu'il est invincible. Personne ne peut lui faire face, ni le peuple, ni l'armée, ni l'international, rien du tout. Y compris Dieu, ils veulent le corrompre en inaugurant des zéouïas, en faisant leur machin sur les zéouïas. Y compris Dieu, non seulement ils l'instrumentalisent, mais ils veulent le corrompre. Eh oui. Sofiane Djilali, avant d'aller vers cette histoire de continuité, l'istimraria, je vous repose la même question que celle que je viens de poser à Saïd Aknin. Pourquoi choisissent-ils des gens aussi nuls, j'allais dire, et qu'ils les mettent ainsi au devant de la scène, alors qu'ils savent très bien qu'ils sont très contre-productifs pour eux-mêmes? Comment pourriez-vous nous expliquer ça? Je pense que le système algérien, dans sa construction, il ne faut jamais l'oublier, c'est une construction qui a démarré même avant la révolution algérienne. Et très rapidement, ce sont les seigneurs de la guerre, entre guillemets, qui ont pris les choses en main, si j'ose dire. Et il faut reconnaître que la France n'avait pas comme objectif principal de former des élites intellectuelles, des élites d'encadrement. Ce qui fait que la société algérienne, en réagissant contre ce colonialisme, a utilisé ce qu'elle avait sous la main, c'est-à-dire des hommes braves, très courageux, mais qui n'avaient pas toujours toute la formation. Et ce sont des gens qui, à un moment donné, ont accepté de mourir. C'est-à-dire qu'ils ont parié sur la réussite, même au détriment de leur vie. Et vous avez remarqué que très vite, et malheureusement, cette attitude psychologique a mené peut-être même à des assassinats fratricides. C'est-à-dire lorsque l'homme s'est engagé en se disant « Moi, je n'ai rien à perdre et je risque de mourir, mais personne ne se mettra en travers de mon chemin ». Or, ces hommes-là qui se sont formés comme ça à la dure, où ils ont joué de leur vie, ils sont très instinctifs et ils comprennent très bien que des hommes intelligents, des hommes formés, des hommes qui ont des valeurs, peuvent devenir très rapidement dangereux. Ils peuvent, comme l'expression peut, si vous la permettez, prendre le mort aux dents. C'est-à-dire, une fois qu'ils sont mis en situation, par leur intelligence, leur savoir, ils peuvent très rapidement fuir d'entre les mains. Yorbe l'Hassan, comme on dit. C'est exactement ça, prendre le mort aux dents. C'est donc le cheval qui va prendre le mort et on ne peut plus le contrôler. Bouteflika étant un homme très rusé et qui a démontré très tôt qu'il avait une très grande frustration contre les hommes de science, les universitaires, les gens qui réfléchissent, il a su de façon machiavélique les éliminer les uns après les autres. Mais que voulez-vous, à un moment, il se retrouve avec les subordonnés les plus dociles, les plus serviles. Et là, il n'a pas le choix que de les utiliser. Je rappelle que pour le FLN, le président effectif du FLN, et qui n'est pas président d'honneur, mais président effectif, c'est le président Bouteflika. C'est que même à un Saadani ou à Ould Abbès, il ne pouvait pas faire confiance. Et ça a été démontré puisque lors du congrès, on l'avait vu en direct, Saadani avait reçu un coup de fil pour insister que les statuts soient modifiés et que le président Bouteflika reste président du FLN. En fait, pourquoi? Tout simplement parce que Bouteflika ne fait absolument confiance à personne.
Et quand je dis Bouteflika, aujourd'hui, c'est son entourage, puisque lui-même a transmis un peu les clés de sa gestion et qu'autour de lui, ils réagissent avec les mêmes réflexes. Et au final, Saadani, au moment où ils ont voulu, ils l'ont dégagé, sans prendre de gants, ils ont ramené un autre personnage qui peut faire office de roue de secours le temps de régler leurs problèmes. Mais au-delà de ces personnages, comme vous dites, très fantasques, très bizarroïdes même, et cette histoire de continuité, l'istimrariya, qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ça s'explique absolument, parce que je vous rappelle que à partir du moment où l'opposition, en tout cas Jil Jadid, avait pris cette position très fortement, où on disait que la nouvelle constitution empêche au-delà du deuxième mandat. Et ça commençait à tourner dans les réseaux sociaux, ça avait été fait la première fois par Madame le professeur Fatiha Ben Abou, qui avait défendu ce point de vue-là, que la nouvelle constitution avait fermé le nombre de mandats. Et par notre activité, par ce que commençait à se dire au niveau des chancelleries, les ambassades, ça commençait à mettre vraiment dans la gêne le pouvoir. Comment parler d'un cinquième mandat lorsque, après le deuxième, la Constitution ne permet pas un troisième? Et d'ailleurs, lorsque Farouk Santeni avait rencontré le président, selon ses dires en tout cas, ou au moins il avait reçu les instructions pour le dire, et il avait dit que le président ne savait rien faire d'autre qu'être président et qu'il voulait faire le cinquième mandat. Eh bien, c'était le reproche fondamental. Pourquoi avait-il prononcé cinquième mandat alors qu'il fallait cacher ça sous des mots pour faire passer la pilule, si vous permettez l'expression? Donc la continuité signifie M. Bouteflika reste, mais sans prononcer cinquième mandat, parce qu'ils ne peuvent pas dire aujourd'hui il va faire le premier mandat, ça serait tellement ridicule. Où il va faire le deuxième mandat, comment on va rétro-pédaler? Donc on ne parle plus du nombre de mandats, on parle juste de continuité. Tout cela, c'est dans cet esprit vicieux où on essaye de jouer avec les mots pour faire croire que c'est une maza même ou la tarat. Restez avec nous, Sian Gidali. Justement, Brahim Younsi, cette histoire constitutionnelle, on y reviendra dans les jours, parce que la constitution nouvellement amendée, maintenant, pour eux, ce n'est pas un cinquième mandat qu'il fait, mais un premier mandat, puisqu'il y a eu un amendement depuis, donc il se représente non pas en tant que l'ancien président qui a fait ses quatre mandats, mais non, un nouveau candidat qui arrive tout frais, vierge. Et le problème, alors, est-ce que ce mot d'ordre de continuité est justement destiné à camoufler, comme le dit Sian Gidali, cette option du cinquième mandat, parce que c'est trop outrancier, c'est trop flagrant, c'est même anticonstitutionnel par rapport au nouvel amendement. Est-ce que c'est dans ce but-là que ce changement… – De sémantique. – De sémantique, absolument. Merci de m'avoir passé le mot. Vraisemblablement. Ouais. Vraisemblablement. Notre problème, c'est que la pratique constitutionnelle est biaisée, elle est faussée. Nous n'avons pas de pratique constitutionnelle. Nous avons des constitutions, mais pas de pratique constitutionnelle. À partir du moment où un chef d'État peut changer la constitution à volonté et passer par un parlement croupion, une chambre d'enregistrement. Voilà le gros problème qui est posé à nos institutions. Alors qu'en 2008, il avait promis de passer par un référendum, puis en cours de route, il a changé d'avis, il a fait… – Déjà, ouais. Donc la pratique constitutionnelle elle-même n'existe pas dans notre pays depuis… Bon, on a même mis à bas des constitutions, la constitution de 89 qui était, bon, perfectible, mais qui était globalement une bonne constitution pour l'ouverture vers… ouvrir le champ politique à d'autres sensibilités. Mais… ce qui est déplorable dans cette affaire de continuité, ce qui est déplorable, au moment où notre pays a besoin encore plus de changements, il a besoin plus de changements. C'est ça la question fondamentale. Oui. Au moment où il a besoin de changements, on veut continuer. Et c'est avec une vraie insistance, hein. Cela, continuité, absolument. Continuité. Istimrariya. Cela
m'inspire cette image, c'est que nous sommes dans les sables mouvants, ne bougeons pas. Oui. Ne bougeons pas, nous sommes dans les sables mouvants. Alors si nous bougeons, nous enfonçons. Alors que nous ne sommes pas dans les sables mouvants, et il faut que nous bougions, il faut que nous avancions, il faut que nous changions. Mais ils savent très bien que, avec cette ruse sémantique comme vous venez de le dire, le fait de ne plus dire cinquième mandat mais istimrariya pour camoufler le fait que c'est un cinquième mandat et pas un premier mandat, ce qui semble se préparer hein, en ce moment, ils ne vont pas changer grand-chose. Les gens savent très bien que quand ils entendent le mot continuité, ça veut dire persévérer dans la catastrophe. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il y a besoin, un besoin impératif. Le besoin est impératif de changer. De changer oui. de système. Et pourquoi ils n'utilisent pas, justement, ils n'utilisent pas un autre mot que continuité. Je ne sais pas, moi, changer, transition, ça leur fait gagner du temps. Oui, mais ça... ce n'est ni une transition ni un changement. Oui. J'allais dire, ils sont honnêtes pour ils nous sont... dire, nous voulons continuer. Nous voulons continuer tel que nous sommes, avec ce système-là, avec les mêmes hommes, avec la même politique, même si nous allons dans le mur, et c'est vous qui l'avez dit, et si la montagne ne vient pas, si Mohamed ne vient pas à la montagne, c'est la montagne qui vient à Mohamed. Bon, c'est ça le problème. C'est que le système ne veut pas bouger, ils veulent absolument maintenir ce système-là, et alors qu'ils savent pertinemment que ce système nous met dans des difficultés et nous met en péril. Il y a tous les ingrédients de... qui sont en place. À la fois sur le plan de notre environnement immédiat, la question sociale qui est cruciale, la question économique qui n'est pas résolue, etc., oui. etc. Il y a tant de questions qui obligent l'Algérie à changer son système politique. Saïd Akinin, et la jeunesse dans cette histoire de continuité. La jeunesse qui veut dire renouveau, qui veut dire nouveaux horizons, qui veut dire changement. La jeunesse dans tout ça. Hélas, que la jeunesse est exclue de toutes les sphères de décision et est exclue aussi de toute possibilité de rêver. La jeunesse représente 75% de la population algérienne. La jeunesse, grâce à elle, a eu le premier coup de feu en 1954. La jeunesse, grâce à elle, on a eu l'indépendance de l'Algérie. Bien sûr, tout le peuple algérien. La jeunesse d'hier. La jeunesse d'hier. Que réserve le système aujourd'hui à la jeunesse? Il lui réserve un avenir qui est dans un intervalle bien déterminé. Il y a la haraga, il y a la hogra. Voici ce que lui réserve la gérontocratie, qui y a squatté le pays. La continuité pour la jeunesse aujourd'hui, c'est quoi? La continuité, c'est plus de 30% de jeunes chômeurs. La continuité pour les jeunes aujourd'hui, c'est 7 millions qui sont sortis des universités qui n'ont pas d'emploi. La continuité de cette situation pour la jeunesse, c'est quoi? C'est 500 000 jeunes qui sortent chaque année de tous les circuits d'insertion sociale. Voici la continuité, qu'est-ce que ça veut dire à la jeunesse? Mais cette jeunesse, elle se bat. Nous avons vu avec le mouvement des résidents, nous avons vu avec tous les mouvements des lycéens, et nous allons voir encore d'autres mouvements. Cette jeunesse, c'est l'avenir du rêve algérien. Merci. Un mot sur la jeunesse. Oui. La jeunesse, depuis un certain nombre d'années, est devenue, pas seulement dans notre pays, mais la classe dangereuse. C'est la classe dangereuse. Pour le système, et pour les systèmes. Oui. Pour les systèmes. Et c'est pour ça qu'il est en train de la chasser absolument. À sa façon voilà, du pays. Parce que c'est devenu la classe dangereuse. Brahim Younsi, merci. Saïd Dakhnin, merci. Soufiane Jilali, merci. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Prawa al-akhir. Salam.